Hello! Et on se retrouve pour la suite de NASCAR 2013 sur PC. Et ben c'est l'heure de Charlotte à nouveau, et oui. Le Coca-Cola 600. Coca-Cola 600. Eh ouais. C'est l'heure de la plus grosse, longue course de NASCAR de la saison. Qui sera en fait sans doute beaucoup moins. Elle sera sans doute beaucoup moins longue que prévu. Attendez, vous croyez vraiment qu'on va faire 80 tours? Vous êtes malade! Oh, 8 tours! Now's C'est a good time suffisant, to get in a voilà. few laps and see how the cars are running before qualifying. Thank you, guy. Hop. Alors, on va essayer de There's some good times bien se being set today, qualifier. buddy. Make sure Donc, les yours is one of them. qualifications cette fois ont lieu 2 jours. Qui tombe bien, ou plutôt pas bien, puisque ça dépend comment vous voyez ça, hein. Parce que justement, la qualification se déroule 2 jours, mais la course se déroule elle aussi la nuit, voilà. Ça fait partie de ces une ou deux pistes en fait qui se déroulent uniquement sur des épreuves nocturnes. Enfin, quand il y a 2 courses par an, bien sûr, hein, comme par exemple là. Mais par contre, ce qui me dérange assez, c'est que la voiture est très survireuse, hein, vous voyez, mon dieu, je suis déjà. Oh Yana! Oh, mais ma voiture a l'air assez bizarre quand même. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est assez survireuse. Un peu trop survireuse, etc. En fait, je sais pas, j'ai peut-être désactivé une option couillon sans faire exprès. Mon dieu, oh là, on évite encore une fois le truc. Je vais me retrouver 43ème. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas une épreuve que j'attends impatiemment. Et au contraire, c'est l'une de celles que je redoute le plus. Surtout que c'est une épreuve qu'il y a également dans le Chase. Donc je vous dis pas que je m'angoisse vraiment à l'idée, si je suis dans le Chase, de faire cette épreuve là. Bon, heureusement, il y a Talladega, ça change tout. Mais quand même, bon, par contre, ce qui me rassure, c'est que avec 2 victoires, je devrais normalement être dans le Chase. Mais bon, on sait jamais. Par contre, vous voyez que je suis 29ème, hein, la voiture est assez bizarre. J'ai l'impression qu'elle penche plus vers la droite que vers la gauche. Ce qui est assez bizarre. Alors, attention, parce qu'on gagne énormément de temps. La chose qu'il faudrait absolument pas faire, c'est aller dans le mur. Attention, la voiture là qui survire, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, 1 seconde. Attention, mon dieu, non! 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 Je perds du temps! Putain, quel con! Mais quel con! Mais quel con! Je veux bien recommencer la qualif, voilà. Exprès, vous voyez, pour une fois, hein. Une fois sur. Ça fait quoi? 10 ou 11 épreuves? Pour une fois, je recommence la qualif, hein. C'est quoi le bitonneux qui a pas eu de la bagnole? J'avoue, je me pose la question. Bon, je sais qu'il y a les machins exprès pour pas que la voiture s'envole, hein, ces petits flaps. C'est une espèce de trappe en fait, hein, qu'on voit quand on part en tête à queue. Je sais pas si ça se voit dans le jeu, il me semble que oui, hein, mais là je sais pas si ça l'avait fait quand je suis parti en tête à queue. Hein, vous voyez que là par contre ça frotte. C'est-à-dire encore ça frotte. Bon sang, mais c'est quoi ces lapsus, je crois. Et c'est parti, get ready! Get lucky! Plutôt, voilà. Attention, slow, slow, slow! Mon dieu! Ouais, vous avez remarqué que j'ai pas mis de musique, hein, pour le jeu, exprès, parce que il n'y a pas besoin de musique déjà, je sais même pas en plus si y en a. Mais je suis pas un fervent. En fait, j'aime pas trop qu'il y ait des musiques dans les jeux de course, enfin, du moins pendant les courses. Parce que bon, faut vraiment vivre les courses comme. Faut vivre les courses un peu comme on le sent à chaque fois, quoi, voilà, comme ça. Et en tout cas, bon, en tout cas, je suis un deuxième, c'est déjà pas mal. Mais je sais pas, ouais, non, les musiques en pleine course, je suis vraiment pas fan. À la limite, quand c'est des GTA, des Saints Row et compagnie, franchement, je veux bien, ouais, compréhensible. Mais non. Mais moi, je suis pas fan pendant ces courses-là, tout du moins. Surtout quand le son des moteurs est aussi bon. C'est pas comme dans MotoGP 2013-2014. Que les bruits des moteurs soient absolument tout pourris, que là forcément c'est vite un peu moins bien. Mais ça va, je suis bien, je suis 9ème! Voilà, c'est bon, c'est correct, tout va bien, tout est ok, tout est bon, voilà. On peut donc passer à la course, si monsieur veut bien, tout le moins, hein, quand même.
Thank you, guy. Et c'est donc Kezeken qui est en tête, qui partira en pole position. Je crois que c'est le Pike, un truc avec Pike, je crois, le nom de celui qui fait la pole position. Quel circuit a accueilli 7 des 20, trucs les plus serrés? T'as le dégât, voilà. En fait, en termes de changement de leader, quel circuit a accueilli 20? Oh putain, quel pilote a gagné la première course de NASCAR en 49? Hein? C'est pas Richard Petty, c'est Red Byron. Non, Petty, c'est beaucoup trop... Ouais, non, Richard Petty, c'était un peu trop tôt quand même. Good luck, beaucoup trop tôt, hein. Non, j'ai oublié de battre ma... Ah, rien, comment dire. Ah oui, j'ai pas fait de... J'ai pas mis de setup, donc vous allez voir que je vais merder pendant cette course. Plus qu'à l'habitude sur cette piste, hein, je tiens à vous le dire. Mais bon. On va essayer d'éviter au moins le la dernière place, voilà, on va essayer d'éviter la dernière place. Parce que franchement la dernière place, je la crains un peu. Ah là. Oh attention, on coupe déjà un peu le fromage, enfin le fromage. Attention. Donc là, je vous avais pas dit que c'est un oval d'un mile et demi. C'est un oval d'un mile et demi, comme on le retrouve à cette fois, comme je disais. Hein. Attention, ça frotte, ça touche. Et mon dieu, heureusement j'ai failli payer un mur. Ah, c'est Travis Pastrana. C'est Travis Pastrana qui a... On n'a pas vu, était dans le mur. Oh mon dieu, bon ça, je perds déjà 10 positions, c'est déjà pas mal, non? Bon. Mais je vous le dis, n'attendez rien de cette course sera une véritable, non pas procession, au contraire. Mais ça, je vais sans doute finir très très loin, donc ne vous attendez pas à une course mirobolante. Alors devant il y a Trevor Bayne, il y a Stewart, il y a également le 17 de Ricky Stenhouse, mais également l'ami... Oh, on passe à l'intérieur de Joey Logano et de Mark Martin. Dégage Logano. Dégage Logano. Qui est à la Penske Racing. Oui, Penske commande IndyCar. Attention Stewart. Stewart en tête à queue malheureusement. Ah non, Tony Stewart, qui est son propre patron en plus, hein. Et donc il est... Ouf. Il pilote donc pour la Stewart Ast Racing bien sûr. Et son adjoint, on va dire, monsieur Ass, va arriver en Formule 1 en 2016. Et oui, comme quoi une équipe de NASCAR, enfin une semi-équipe de NASCAR, parce que il est copropriétaire avec le Stewart, et ben peut venir en Formule 1. Et j'ai envie de dire, tant mieux, voilà. J'aimerais bien, franchement ça me ferait vraiment plaisir qu'ils réussissent. Qu'ils démontrent qu'une équipe de NASCAR peut réussir, que les Américains peuvent réussir en Formule 1, hein, et que la mentalité de certaines personnes doit évoluer. Petit coucou d'ailleurs en passant au nain. Je parle pas de Sarkozy, hein, je parle de Bernie. Voilà, bon. Et mais attention, pourquoi je sens que Logano va me sortir? Parce que c'est un pilote qui est plutôt de ce genre là, non? Oh, à l'extérieur, oh c'est joli. Oh c'est joli là, le coup de zigzag, vraiment je suis assez surpris de ma course. Oh attention, je joue au feu avec Kenseth. Kenseth. Non, je me vois dans le mur. Dans certains. Eh ça y est, pouf, Kenseth. Green White Checker. Kenseth est dans le mur, attention derrière. Ça va, on évite un peu l'accident quand même, mais je me sentais pas, voilà, ici ça m'a fait aller dans le mur et du coup forcément ça peut frotter et boum, ça l'a envoyé tout de suite. Mais cette vue là ne sert à rien mes gens. Ouf, heureusement qu'il a pas tapé dans le coin là, je crois qu'il y en a un qui avait tapé c'était pas Gordon je crois qui a tapé comme ça là. En tout cas Charlotte a aussi connu des gros cartons, hein, ouais. Ça. Je cherche une blague à faire avec Charlotte, mais j'avoue, je ne vois pas. Mis à part qu'on en... Non, non, je peux pas dire ça, non. Ah non, c'est limite écœurant, non. Non, je ne dirai rien, mon dieu. Je suis immonde. Je suis immonde. Oh putain. C'est bien la première fois que j'arrive à m'écœurer. Oh non. Ouais, non. Je vous évite tout de suite un gros carton, hein. Malheureusement on n'a pas vu la fin et bon ce coup-ci j'étais un peu j'étais un peu malin. Attention, non, je le sentais pas. Attention, il y a Montoya, ça sent le crash, ça sent l'iguane, même pas. Non, mais l'autre con il se met en tête à queue quasiment.
pour avoir un drapeau jaune. Oui, ok, il y a des gars qui se grattent le coude par exemple pour avoir un drapeau jaune, ou alors la NASCAR fait exprès de mettre des drapeaux jaunes de débris pour soit relancer la course, soit parce qu'il y a Dale Jr. qui a un tour. Mais quand même, voilà, c'est bon, on est sous drapeau blanc, c'est bon. Pour l'instant, je suis tout bon. 15ème, 16ème, non, même pas, puisque derrière ça revient, ça va se cracher, ça se crache dans tous les sens. Oh, Ménard! Ménard a été volé! Oh, l'envol de Ménard! Encore une qui a pas de dégage à l'intérieur, c'est dans les... Bah là, il a fini dans la caravane, je vous le dis. En vrai, il aurait fini dans les caravanes. Oh, c'est Kyle Busch qui gagne! Le M&M's! À défaut de confetti, il y aura une pluie de M&M's. Ah putain, ça ferait tempête de boulettes géantes version 2. En fait, voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a tempête de boulettes géantes version 2 qui est prévue. Eh ben, je finis 21ème, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Bon, c'est pas un résultat de merde auquel je m'attendais. Mais rien que pour l'envol de mes Bernard là, ouais. Eh ben, on va pouvoir se taper le. On va se retaper l'envol de Ménard. Et regardez Ménard, youhou! Qui a failli finir dans les. C'est assez impressionnant. Regardez, en fait, là il est. Oh, regardez, tchoum! En fait, c'est Blenny qui le fait surfer quasiment sur. Non pas sur les États-Unis, sur Fini USA, hein, mais carrément là, il s'envole le Ménard. Ah, bah attendez, je vais même prendre une photo. Comme ça vous fera également. Yihi! Franchement, cette photo-là, elle a le mérite d'être belle. Clac. Alors, on va la renommer. Déjà. Ouh. Allez, parce que ça largue un peu, logique. Ben, Big One. Comme ça, vous voyez comment il s'écrit. Je sais plus si c'est 2 ou 3, donc je vais mettre 3. Hein. Et on va mettre Big One at Charlotte, comme ça, pendant les... Ah. Pendant les temps d'attente, et ben, vous aurez un peu... Non, on va mettre Coca 600, plutôt. Voilà, ouais. At Coca 600. J'aurais fait réfléchi. C'est bien Coca 600. Non, je vais quand même garder Charlotte. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. C'est juste une banale photo à la con. Voilà. Mais je trouve qu'elle est pas mal. Hop, au moins, vous voyez un peu comment que ça fonctionne. Je dégage là. Oh, oh bah, elle est jolie celle-là, tiens aussi. Yeah. Celle-là aussi, elle est pas mal. Donc, on la reprend forcément. Hein. Bon, Big One. 3,5, hein, puisque c'est toujours le même, hop. Oh, je sais, je fais juste... Ah. Oui, bien sûr. Tendancieux, Bigonata, dégâts. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, en fait. Mais voilà, hop, au moins, vous voyez comment que ça marche, etc. Je vous mets des nouvelles photos pour qu'il y ait d'autres photos également dans le... Ah. Dans les temps de chargement. Donc, comme ça, vous serez un peu plus tranquille. Donc qui a gagné la course, c'était Kyle Busch, certes, mais qui a fini deuxième quand même, Denny Hamlin. Alors, combien il a fini l'ami Montoya là? Ben, il a pas été... C'est pas fameux encore. Putain, Danica qui finit 33ème et Montoya 31. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Oh putain! Jamie McMurray et Marco Sambro se font absolument laminer! Quel pilote a le meilleur rating de carrière entre 2015 et 2011 en NASCAR Sprint Cup? C'est Kyle. J'hésite entre Johnson et Kyle Busch. Ouais, j'hésitais vraiment, ouais. C'est vrai que Johnson, en fait, a 5 titres, entre 7, 3 ou 4 titres, en fait, cette période-là, donc ouais. C'est plus compréhensible. Alors, je suis 3ème du championnat, toujours bien distancé par Johnson et Edwards, mais pourtant, vous voyez, 4 pôles, hein, je suis le recordman de pôles, je pense. Mais je suis remonté, là, par talonné par Keselowski, Kurt Busch et Casey Kane. Kyle Busch, qui, avec sa victoire, pénètre dans le top 10. Vous voyez, hein, hop, Matt Kenseth dégringue le classement. Juan Pablo Montoya perd 3 places. Attention, Monty sort quasiment du top 10. Il est limite avec Martin Truex qui sort du top 10 par contre. Hein, ouais. Mark Martin remonte. Jeff Burton remonte aussi. Dale Jr. remonte de 4 places. Greg Biffle également. Jeff Gordon remonte. Marcos Ambrose fait une il se prend une déculottée avec moins 6 places. Senhouse descend également. Joey Logano. Kevin Harvick est toujours 22ème. Trevor Bayne perd 6 places. Encore eux quand même qui se remettent dans le rang. Paul Maynard est très loin. Tony Stewart est extrêmement loin. Je sais que c'était pas une saison folichon de Tony Stewart, mais ça me choque.
Mike Tinbauer, pardon, et c'est loin. Danica Patrick est 30e, hein, elle ne gagne pas, elle ne perd pas de place. Elle est pas loin de David Ragan, l'autre abruti! Et Regan Smith. Donc ça va, voilà. Après, ça va être un peu plus compliqué pour elle d'en venir. Et qui est le nul de service? C'est Michael McDowell! L'incapable ne met pas encore son point. Ah, on est à Dover, mon dieu. Dover. C'est un circuit d'un mile, donc c'est un. Un miler, non. Un miler. Oh, regardez l'envol. Oh, c'est un miler. Donc un ovale d'un mile, très relevé, très délicat. D'ailleurs, il y a, c'est un peu le monster mile, j'ai envie de dire. Me semble d'ailleurs que c'est son surnom. Désolé si je dis un peu n'importe quoi, mais bon. We still have time to make a Ça few change pas d'habitude. Adjustments J'allais dire ça before change, mais en qualifying fait, non, ça starts. change pas Why d'habitude. not test the setup and see if it's okay? Mais bon, on va essayer de faire une bonne qualif sans être lead, sans être devant, bien sûr. The Hein, bon. car's looking good. You just Quand need to go même, out there and put in je a crois qu'il n'y a good pas solid besoin performance. de. Ah, si, il y a quand même besoin de réglages, qualification et course. Hop, on va démarrer la qualification. Vous voyez un ovale d'un mile en. Vous voyez que là c'est particulier, hein, le revêtement, là, la surface c'est vraiment particulier, le circuit est particulier également. Regardez avec ici une. Oui, carrément, quelque chose où il y a des personnes qui passent là. D'ailleurs, je crois que c'est l'an dernier, il y avait eu. Un bout de revêtement qui s'est décollé de la piste et qui est allé se croiser dans les. Dans le pont, voilà. Heureusement, il n'y a pas la fameuse. La fameuse bannière de. La fameuse pub du pont. Sur le pont, oui. Donc comme ça, on ne peut pas faire la pub, malheureusement. On ne peut pas faire la blague. Ralenti, Andouille! Ah! Deuxième, c'était serré, dommage. Hop, et vous allez voir que ça peut taper très rapidement. Ça tape très rapidement aussi, regardez. Hop. Vous arrivez. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais moi? Oh, dis donc! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe! Écoutez ce bruit d'ailleurs, écoutez, je vous laisse écouter. Hop, on s'éclate en contresens! Et si seulement il pouvait faire un truc à contresens. Une course de NASCAR à contresens, putain, ce serait excellent. Non, je plaisante, c'est impossible. C'est vrai, pourquoi tourne-t-il là toujours à gauche? Alors, pourquoi tourne-t-il toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Alors qu'en F1, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait plus mal au cou. Pourquoi? Tout simplement parce que, apparemment, ça fait moins mal Welcome de to the tourner dans le sens inverse des aiguilles monster d'une mile montre in Dover, sur ovale, tout Delaware du for moins. Fox Sports coverage of the Ça fait moins FedEx mal, c'est moins 400 douloureux. benefiting autism speeds. Est-ce qu'il va Joe nous Walker, montrer I'm Mike Joy. le géant à l'extérieur, le concrete monster, non cane. même pas. They call it Oh, quel Miles the dommage. Monster. En fait, il y a un géant à l'extérieur du circuit et qui tient dans sa main une taille réelle de la bagnole qui a gagné. Donc là, cette année, ce sera Jeff Gordon. Il me semble que c'est Jeff Gordon qui avait, oui, c'est bien Jeff Gordon qui avait gagné. Tension avec l'ami Johnson, le leader du championnat. Ah, ça a été chaud, attention, Truex, Truex, tué, Truex, attention, il y a Travis Pastrana, Junior, Junior. Oh, il y a également Montoya, faut aider Montoya à être dans le top 10 quand même, oh. Attention, oh là. Mais non, mais c'est quoi tout ça là, oh, c'est quoi tout ce genre qui passe par l'intérieur là, oh. Attention, oh. Pourquoi je sens le carton arriver? Hop, dégage, Burton! Ah, je suis un peu pris en sandwich! Mon dieu! Oh, attention, le survirage! Ah, c'était une course assez spectaculaire! Enfin, spectaculaire dans le bon sens, puisqu'il n'y a pas d'accident pour une fois! Putain, j'ai cru que j'allais dire putain, j'aurais même fait tourner ma gueule! Ah, bah, Biffle! Biffle crée la première neutralisation. Et oui, ce con se met dans le mur. Un peu aidé, il est vrai, par. Ah non, pas.
Moi au départ, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a aidé. 12e. Je suis 12e. Dale Junior est en tête de la course. Ah oui, cool. Great. Attention, ça va repartir. 4 tours de la fin. 5, 6, 7, 8. Je compte également pour voir si ça fait bien 4. Oui. Attention, c'est chaud quand même avec Johnson. Là, vous voyez, c'est extrêmement chaud. On se frotte, on se pousse, on se frotte. C'est spectaculaire. Attention à Travis Pastrana. Ryan Newman également à l'extérieur. Mon dieu, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ça part en accident. Un green white checker, encore une fois. Et voilà, ça part dans un accident encore avec beaucoup de pilotes impliqués, forcément. Personne ne ralentit quasiment. Ah, c'est Pastrana. Oh. Mais je devais venir celui-là, putain. Ah, il y a Kyle Busch également. Le M&M's qui avait gagné les Coca-Cola 600, oui. M&M's et Coca-Cola dans la même phrase. Mon dieu, je vais pas me faire que des amis. 12ème. Putain, je suis toujours 12ème, sérieux? Ah, je gagne quand même deux places, bon, c'est déjà pas mal. Hein, mais bon. Je suis derrière Kyle Busch. Et où qu'il est, mon petit. Où qu'il est, Montoya? Montoya est deuxième, non? C'est un gag? Pardon. Non, j'aime bien Montoya. Vous me prenez pas, mais ça me surprend quand même, cette deuxième. Bon, ça arrive qu'il fasse des bons résultats. Ah, quand même, il a failli gagner là, je crois. Bah, je crois que c'était Dover d'ailleurs. Ah non, c'était Dover, Wishmond, je sais plus. Il a failli gagner à plusieurs reprises quoi. Mais soit on lui vole la victoire, soit il y a un drapeau jaune, bref, à chaque fois on lui. Il y a un truc qui fait qu'il gagne pas quoi à la fin. Et Carl Edwards avec Jeff Burton. Carl Edwards et Jeff Burton. Deuxième green white checker. Forcément là. Et du coup quand je pousse ici, bah, il a été dans le mur. Et boum. Forcément, un nouvel accident. Je suis 13e. Ah, à l'intérieur. J'aime bien être à l'intérieur. Et c'est Montoya qui est en tête. Punaise. Montoya. Attention, j'ai le mec à Danica. À droite. Il y a Kenseth Burton devant. Derrière, j'ai également le fermier Kitty Kane et Mark Martin. C'est reparti. Deuxième green white check red. Attention. Oh là là là. Heureusement qu'il m'a vu, sinon ça portait mal. Attention avec Jeff Burton, là c'est vraiment limite. Attention également Kyle Busch. Il y a Keselowski. J'ai un peu trop poussé Keselowski. Qu'est-ce qu'il fait Keselowski? Oh, attention. Voilà, c'est très très tendu. Je vais pas dire que c'est tendu comme un slip hein, mais il y a pas loin. Attention, serait bien que ça se finisse pas en carton à l'arrivée pour une fois. Hein, bon. Quand même. Et si je pouvais finir avec le meilleur tour à la limite. Attention à top 10. Non mais pas, je suis 13ème. À l'arrivée, on évite un accident de justesse. 13ème. Et le vainqueur, je crois que c'est Dale Earnhardt Jr. Et le vainqueur est Dale Earnhardt Jr. Juan Pablo Montoya est 6ème. J'avoue, je suis quand même dégoûté d'être 13ème et de pas être dans le top 10. Ouais, putain, mais Regan Smith encore 19ème, sérieux. Bon, Michael, la lose est 29ème. En parlant de la lose, elle finit 40. Pardon, Danica finit 42 quand même. Ok, ça fait mal quand même pour Danica Patrick, hein, ouais. Oh, mais au fait, Vitaly Stewart, celui qui est un peu trop loin, il a fini combien? Encore une fois, c'est un résultat médiocre pour lui. Oh putain, il finit 28ème, mais comment ça se fait que Tony Stewart soit aussi loin? C'est pas son genre. Quel pilote le record depuis juillet 2002, le plus grand nombre de victoires? Richard Petty, non? Voilà. Bien sûr, voilà. Qui a le plus de... En gros, c'est qui a le plus de victoires en NASCAR Sprint Cup? C'est Richard Petty. Voilà, 200 victoires. Rien qu'en NASCAR Sprint Cup, 200 victoires. C'est énorme. C'est énorme. Je suis toujours 3ème, putain, c'est incroyable. Vous voyez l'écart qu'il y a, hein, ouais. Keselowski est bien monté, même pas, non. Danny Albin a gagné 2 places, Kizzy Kane, Kurt Busch, Kyle Busch, Montoya passe 9ème, Matt Kenseth perd une place. Junior est
dans le challenge pour l'instant grâce à sa victoire, mais attention, il est 11ème donc il pourrait rapidement être dans le top 10. Et malheureusement, Greg Biffle sort du top 20 et donc n'est plus dans le chase. Incroyable retournement de situation. Tony Stewart est 25ème. Danica dégringole à la 33ème place. En même temps, forcément, finit sur 42ème. Faut pas t'attendre à des merveilles, ma grande. Et bon, il y a Jamie McMurray qui est 30ème. Oh là, Rick Almirola 31. Casimir, bon, on a un peu plus l'habitude quand même. Mais ça me choque, oui, ça me choque. Michael McDowell qui remonte au classement. Hein, qui est à la limite avec Josh Wise. Oh, Lincoln Wilder. Un sponsor secondaire. A sponsorship secondaire. Allez, on va pouvoir se farcir une autre course. À Pocono! À Pocono! À Pocono! À Pocono! Ça fait du bien, ça. Le Pocono Raceway. Un ovale particulier, vous le savez, on a déjà eu... Oh, la photo de Ménard qui s'envole. Mon Dieu. Hop, et ben là, je vais vous faire plaisir. Hein. Hop, détour en médium. Ouais, hop, détour en médium. Bon, je prends énormément de risques. Bon, en même temps, je suis 3ème championnat, je peux bien en prendre. Hein. Mais voilà. On va faire les qualifs. Non, même pas les qualifs. Hop, on fait directement la course. Au moins, on est sûr. On part de l'arrière en médium avec 10 tours à parcourir. Moi, je vous le dis, je risque d'être forcément dernier. Mais c'est pour vous montrer aussi un peu hein, que je suis nul déjà de 1 et de 2. Que la difficulté peut être quand même assez relevée en moyen. Hein, je pense que la difficulté est quand même sacrément relevée. Attention, allez, on se met un peu de caméra embarquée. Il nous fait tous ce Darrell Waltrip, c'est vraiment excellent. Attention à John Emmett Check. Attention à ce virage. Le premier virage toujours délicat. Et souvent riche en accidents, comme maintenant. Attention, je remonte, regardez, je remonte, je suis en médium et pourtant je remonte beaucoup plus vite. Attention, il y a Josh Wise, mon dieu. Wow. Voilà, j'ai pas envie de pousser Danica. Donc on va pousser la monte. Allez Danica, allez! Je te pousse putain, mais t'avais qu'à prendre l'intérieur et tu passais, bordel. Aïe aïe aïe. C'est quand même compliqué quoi. Vous aimeriez bien aider quelqu'un mais vous pouvez pas parce que cette personne ne se déporte absolument pas. Donc tant pis. J'ai envie de dire va chier. Hein. Tant pis, désolé, sorry, hein, mais je veux pas faire autrement. Ah tiens, j'ai un contentieux à régler avec David Ragan. Oh putain, ah non, ah non, 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 alors là non, je ne supporte absolument pas de... Non, non, hop, après tout je... Il faut encore que je ralentisse sinon je suis dans le mur quoi, oh, ce premier virage est très compliqué. Ah non Danica, tu vas pas me faire ça quand même hein. Ah non hein. Bon, attention Scott Speed. Austin Dillon. Hop, allez, tiens, je vais sortir à Gann. Wouhou! C'est Scott Speed. Mais au moins, voilà, j'ai poussé à Gann, je suis content, j'ai eu ma petite vengeance. Heureusement que c'est en jeu vidéo, au moins ça fait moins mal. Bon, je suis 28ème, ça va. En plus, vous voyez, je suis 28ème. Hein. Ragan a dégagé 42ème. Hop, au revoir, mon grand. Voilà. Vengeance. Alors, vengeance, c'est noté. Prochain sur la liste et dont Tony Stewart. Ça va être compliqué. Hein. Alors, quoi tu te pousses, hein, bon, quand même que je puisse prendre l'intérieur. Bah, regardez, il me refuse littéralement l'intérieur. La bonte. Ou plutôt le bon. Le bon. Attention! Wouhou! Allez! Mon dieu, c'est extrêmement chaud. Attention, le galop. Oups, désolé, c'est encore un big one. Pas un big one, non, pardon, mais un match. Aïe aïe, ça fait mal ça.
Ouais, non, franchement, j'ai pas été fair play avec Logano, vous voyez, hop, on se refait, on se remet là, ouais, hop. C'est vrai que j'ai pas été fair play avec Logano. Hop, donc voilà, on se reprend, hein. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, faut encore freiner dans ce virage. Ah non, Logano, bah voilà, là il l'a cherché. Allez, toc. Attention, oh, wow. Ça a quand même bien tapé. Logano l'a cherché, hein. Bon. J'étais un peu à l'extérieur, il est remonté sur... Ouais non, en fait c'est plus moi qui est redescendu sur lui, on s'en fout. Voilà, il y a la DDR, pof, tout de suite, éclat, et ça l'envoie ensuite dans le mur. Bon, ça l'envoie pas trop violemment non plus dans le mur. Et finalement j'avais dit que je ferais une course... J'avais dit à Kevin que je ferais un truc rapide et finalement voilà que j'en ai pour une demi-heure. Ouais. Excuse-moi. Je suis un peu trop pris dans, dans NASCAR malheureusement. En premier après cette course, je fais une. Bah, je raterai en fait pour voilà, on en a plus de 30 minutes. C'est suffisant, ça fait quoi 2-3 courses pour le machin et fait... c'est parfait. Attention, si on peut passer à l'intérieur de Newman. Oh, que je le sens pas. Oh, que je le sens pas. Oh là 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 là. J'ai volé. Fly. J'ai un peu trop. J'avoue, je me suis fait un peu bousculer par l'ami Pastrada. Et flying in the air, voilà. On joue à saut de bagnole avec. Ah, avec l'ami Pastrada, ouais. On joue à saut de voiture. Aïe aïe aïe, mon dieu. Et il reste 3 tours à parcourir. Joey Logano est devant, je suis 42ème maintenant. Austin Dillon est 41ème. Ah bah, on est 42. Il a abandonné Pastrana. C'est très très rare qu'il y ait des abandons, je peux vous l'assurer. Ouais, c'est extrêmement rare. Attention. Break, 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 slow. Accélère à fond, à fond, à fond, à fond. Accélère. Attention, on se déporte, on passe du monde. Gilly Land! Il y a Blaney également! Il y a Robbie Gordon, il y a du monde! Tanika qui remonte en plus de ça! Oh, vous voyez, je dois extrêmement ralentir, c'est quand même chaud. Attention à Josh Wise! Reagan Smith, Danica Patrick est 24ème, ce qui est c'est bien. Ça change. Attention, un peu trop à l'intérieur! Du coup, ça me renvoie un peu à l'extérieur, ça va, j'évite le mur. Hop! On bouscule pas Danica, non. Hop, on la laisse faire sa course un peu de temps en temps. On va pas l'aider quand même à chaque course, on n'est pas des Saint-Bernard. Même si on a l'habitude du tonneau. Hop, attention, McMurray. Ça frotte, c'est limite, ça passe. Nickel. Attention, Mark Martin, Kyer, Bosch. Il y a le copain Danica. Non. Attention, avec les Iken qui sont envolés là dans les arbres, vous voyez, là, les arbres qu'on voit à droite là. Ils sont envolés là, à ce moment-là. Donc, attention. Oh mon dieu. Casey. Et on va rentrer dans le dernier tour. Sans accident. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Bon, j'ai cru que Casey Kane allait m'en faire un exprès pour qu'il y ait un checker, vous voyez. Hop, attention. Hop, et c'est bon. Dernier tour à parcourir. Final lap. Et je suis 17ème pour médium, franchement c'est vraiment nickel. Ouais. Surtout quand on sait que je repartais 42 quand même. Oui, quand même. Attention, slow, break, 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 break. Break, slow down, slow down. Maintenant on peut aller à fond, on peut aller à fond. Et regardez, attention. Wow, maintenant. Hey, en fait j'accélère. En fait je gagne pas énormément de temps. Oui, oui. Ouais, je gagne pas énormément de temps sur devant. Ouais, vous voyez, je suis à une seconde de Stewart. Non, Stewart 16ème malheureusement. 7ème, c'est pas si grave. Hein. Bon, ça permet un peu de. Vas-y, Stewart, gagne quelques positions. Gagne quelques positions, Tony. Et maintenant, on est à fond. On est à fond, on est à fond. Allez, allez, on y va. Allez. Ah, je suis 16ème, dommage. Stewart est 14ème, ça va. Je l'ai peut-être pas forcément aidé, mais j'ai poussé un peu. Ah, je pensais que j'allais battre Truex, là, il n'a pas, mais non. N'a pas réussi. Ouais, n'a pas réussi. Mais qui a gagné la course? J'ai pas regardé, j'ai pas vu.
Le vainqueur est Kevin Harvick. Marcos Ambrose finit quatrième, bravo. Pour un gars qui est extrêmement loin, chapeau. Juan Pablo Montoya est sixième quand même, c'est vraiment pas mal. Tony Stewart va faire un bon classement avec sa 14e place, je pense. Ouais. 16e, ça va, ça me permet d'éviter les dégâts. Danica est 28e, elle a pas trop perdu, ça va. Et donc, regardez, hein, abandon de Travis Pastrana. DNF, c'est quand même extrêmement rare dans ce jeu-là, je peux vous l'assurer. Contrairement en vrai, c'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de réel abandon, mis à part là. Donc voilà, il a abandonné au tour 1. Ah non, 5 tours précédents, voilà. Donc c'est fini, je suis 16ème. Alors, quel pilote a gagné la première course de NASCAR? C'était Red Byron. Ouais, Dale Earnhardt c'était pas né, je pense, hein, ouais, non. Donc c'est Red Byron. Red Byron! Alors, je suis. Ah ouais, j'ai perdu une place au profit de Keselowski. Juan Pablo Montoya monte 7ème. Kyle Busch monte également. Kizikane dégringole dans le classement. Kurt Busch est sur un siège pas si éjectable que ça pour l'instant. À voir. Jeff Burton remonte dans le classement. Martin Truex également. Dale Earnhardt Jr. est limite. Mark Martin. Kevin Harvick remonte. Jeff Gordon redescend un peu. Eh, mais vous voyez pour l'instant, Dale Earnhardt est le. Ah bah, grâce à sa victoire, Kevin Harvick est dans le chase. Ah bah non, puisque Greg Biffle a deux victoires. Ah bah non. Ah bah c'est un peu serré là quand même. Tony Stewart n'a aucune victoire. Dommage, s'il en avait une, il serait. Et qu'il était dans le top 20, il y aurait moyen. Mais là, ça va être compliqué quand même pour lui d'être dans le chase. Danica Patrick est 32ème. Et enfin, le dernier, c'est toujours l'andouille de McDowell. Et vous voyez qu'avec sa dernière place, l'ami. C'était qui déjà? Ah oui, Pastrana. Ah bah il a pas mal. Il a dégringolé que d'une place. Ouf. Vous voyez qu'il y a énormément d'écart quand même. Oh. Donc la prochaine course c'est bien. Ah alors là franchement vous avez Michigan, Sonoma, on va bien rigoler. Un truc qui sert à rien au Kentucky. Ouais non ça sert à rien. La course du Kentucky, le gauntlet qu'on a eu à Pocono pour Daytona. Franchement vous allez avoir une prochaine vidéo extraordinaire. Donc c'est fini pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, je vous dis bye bye et soyez prudents sur la route.